Eh bien bonjour à tous. Alors nous voici partis pour une petite vidéo de pêche de l'ASP. Donc vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu et je n'ai pas forcément pêché le poisson que je recherche. Mais vous allez voir, c'est quand même plutôt intéressant. Il va y avoir de beaux résultats. Et d'ailleurs, je vous ai aussi laissé un petit peu les moments où que j'ai loupé quelques poissons, dont de très très gros poissons. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse visionner et moi je vous dis à bientôt. C'est un bass. Ah non, c'est un chevesne. Oh les amis, j'ai cru que c'était un bass. Bah ouais, j'ai pas trop quoi dire. Le niveau d'eau est beaucoup plus haut qu'hier, donc ça reste un poisson. Voilà, toujours sur le petit Volcan Soul. Il m'a fait une touche. Quand j'ai ferré, j'ai cru qu'il s'était décroché. C'est un mini chevesne, hein, c'est vraiment pas fou. Voilà. Il a la maladie des points noirs. Mais bon. Allez. Touc. C'est reparti. C'est gros, ça c'est dur ça. Vu la cartouche. Je pense que c'est un brochet, c'est énorme. Oh putain, dans mes pieds. Oh la vache. Oh, ça va, c'est bien. Ah, mais quand je les cherche, ils ne mordent pas. Ah, il prend le courant. Ouais. Non, c'était un as. Bah c'était un monstre. Bah le délire. Ah bah là les amis, j'en reviens pas. Ah, honnêtement, par contre, je suis dégoûté. Là, j'avais sûrement mon record. Mon record, il a 86. Bah c'est vrai qu'il m'a mis une grosse touche, mais on cherchait l'aspe, hein, évidemment, mais là j'ai sur le cul. Il combattait vraiment dans le courant comme un silure, enfin avec des gros coups de tête quoi. Oh la dinguerie. Bon bah je vais continuer. Oh, je suis dégoûté. C'était un rocher. Attends, je relance. Oh, la tape vénère qui m'a mis. Attends, on aurait dit une touche d'aspe quand même.
Voilà, dinguerie. Oh, ce soir, c'est n'importe quoi. Oh, ça ferait bien un brochet, ça. Ça serait bien un brochet. Ah oui. Là, si je le perds pas celui-là. Alors, Coco? Voilà les amis, bon, on va chercher l'aspe à la base. Hop, ne vous inquiétez pas, l'herbe elle est super humide. Donc le petit leurre que j'avais gagné, enfin non, que j'avais eu dans la Fisher Box, il est piqué dans les règles de l'art. Les amis, je vais le mesurer, c'est juste pour le fun. Je me pose la question de combien il peut mesurer. Je dirais un bon petit 60. Ouais, c'est ça, un petit 60. Ouais, c'est ça, 59,5, 60. Ouais, c'est cool. Petit brochet de Loire. Par contre, il est super gras. Oh, ça chasse. Je relâche là les amis, il y a un petit trou. Vu comment il se remue, je peux vous dire qu'il est impatient de partir dans l'eau. On va là-bas chercher les aspes, hein. C'est toujours comme ça. Quand on cherche quelque chose, bah, on trouve pas, puis quand on le veut pas, on le trouve. Regardez-moi ça les amis. Un super joli brochet, belle couleur, bien doré comme on les aime. Franchement, honnêtement, très beau poisson. Je pense que c'est une femelle, mais bon, ça j'en suis pas sûr. Mais franchement, un très joli brochet de Loire, c'est cool. Allez, c'est reparti. Hop. Ben voilà. Ah, dans quelques centimètres. Bon allez, on va changer un peu, je vais faire un lancer plus calme, enfin ramener plus calme. Ah bah oui. Oh, c'était très gros là. Oh les amis, c'était énorme. Je pense que c'est le même poisson que tout à l'heure qui est monté en surface. Oh, c'était énorme! Truc de fou! Loupé. Oh. Parce que si je l'ai bien vu. Oh les amis, je sais pas si je l'ai en vidéo. C'était un silure.
Oh les boules, il était pas énorme énorme. Attendez, je relance. Oh, il était pas énorme énorme. Il faisait un petit mètre 10. Mais il a tapé dedans. Pendu. C'est bien un asp quand même ça. Oh. Ou un brochet encore. Je sais pas, ça se défend bien quand même. Ah, oh, c'est un brochet. Oh la dinguerie, j'ai... Il a sauté dedans. Ah bah les amis, c'est une dinguerie. J'en loupe un à un endroit complètement opposé. Puis il est beau. Bon les amis, on le mesure aussi celui-là. Moi ouais, je dirais qu'il fait 60 aussi celui-là. Même un petit peu moins. Hop, on va le relâcher tout de suite. C'est cool ça les amis. Vous avez vu avant ce que j'ai loupé en surface? C'était super gros aussi. Est-ce que c'était un brochet ou un asp? Je ne sais pas. Donc là je vais le relâcher, là il y a un joli trou. Donc là on a un brochet qui est quand même pas mal marqué. Ça prouve bien qu'on a eu quand même de très belles reproductions ces dernières années. Vous voyez, joli brochet quand même. Le premier était plus joli en termes de couleur, mais celui-là il m'a fait super combat. Allez, toujours avec le petit leurre de chez Volcan Soul. Ah, il est là. Quand même un sacré poisson ces petits brochets.